Voilà. Donc, on va vous présenter Le Renault Master. le Renault Master aménagé en camping-car. Voilà. C'est un véhicule qui sert de camping-car et de camionnette pour travailler. Ça s'est arrêté, Martin. Hein? Donc, et vous voyez qu'il y a un petit siège là pour s'asseoir, pour travailler. Des armoires pour mettre le matériel et des armoires pour mettre les vêtements quand on part en vacances. Alors, une réserve d'eau, l'électricité, l'éclairage. Il y a même une batterie secondaire pour avoir de l'éclairage à l'arrière, un plancher. On a, oui, tu peux peut-être dire le moteur maintenant. C'est un double turbo. 135 chevaux. C'est un double turbo, 135 chevaux. Mais on va vous montrer le moteur tout de suite. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore dans l'habitacle? Il y a un GPS, la radio. Le GPS, on le mettra. Oui, d'accord. Voilà. On va vous ouvrir le moteur. Et la manette est Voilà. en dessous du volant. Je vais vous montrer. Donc, pour ouvrir le moteur, il y a une manette ici. Là, comme ça. Hop. Et puis, on sort. Dans les Renault Master, il y a une petite plaque qu'il faut tirer et on ouvre le capot. Donc, c'est un moteur double turbo. 135 chevaux, très puissant. Voilà. Donc on va allumer le moteur. Voilà. Et je vais vous le montrer. Voilà. Il y a une fenêtre ici pour avoir de la lumière dans la caméra.